n'y a pas un match pour lequel les joueurs rentrent en se disant que le match est perdu d'avance. Voilà. Que ce soit Paris, que ce soit Clermont, on rentre pour gagner les matchs. Après, là, on sait que la tâche sera compliquée. Alors, il y a quelques absents, mais quand il y a des absents à Paris, je veux dire, à la limite, ceux qui remplaceront ceux qui sont absents demain, ça serait vraisemblablement des titulaires chez nous, hein, sans aucun problème. Donc, et encore une fois, je ne dénigre pas mes joueurs. C'est comme ça. C'est le football qui est ainsi fait, avec des clubs qui ont beaucoup de moyens, d'autres qui en ont moins, qui font avec les moyens du bord. Mais quoi qu'il en soit, il est évident que je pense que demain, pour ma causerie, je n'aurai pas énormément de choses à dire aux joueurs pour qu'ils soient à 1000% sur le terrain. Jamais, je pense que ni au niveau du staff, ni au niveau des joueurs, ni au niveau des dirigeants, on aurait pensé un jour qu'on pourrait avoir des joueurs de ce calibre évoluer à François Coty. Donc voilà, il faut apprécier et préparer le match le plus sérieusement possible, comme on le fait habituellement, mais sans aucune pression. Je pense qu'il faut se préparer de la même manière qu'on prépare les autres matchs. Je pense que c'est un match, oui, bien sûr, particulier, parce qu'on connaît tout ce qui est à Paris, les stars et tout. Mais bon, après, pour nous, je pense que on est en Ligue 1 aussi pour jouer des matchs comme ça. Donc, je pense qu'il faut qu'on prenne beaucoup de plaisir. Et voilà, donc là, pour l'instant, on a très bien préparé la semaine. Elle était courte en plus. Donc voilà. À nous, voilà, de mettre les mêmes ingrédients qu'on met et qu'on a mis sur les derniers matchs là, qui ont été bien et bien faits. Donc voilà, je pense qu'à nous de faire un gros match et de le préparer de la même manière que les autres. Je pense qu'il faut qu'on garde nos valeurs et nos principes de jeu, c'est-à-dire être très solide défensivement. Et après, on connaît, voilà, comme j'ai dit, on connaît la qualité de ces joueurs, mais je pense qu'il ne faut pas faire de fixette là-dessus.